Est-ce que vous avez compris le changement d'horaire là pour l'heure d'été, l'heure d'hiver? Bah, c'est une connerie pour moi. Comment ça, c'est une connerie? Il faut suivre la nature. Hein. Mais tout le monde va changer d'heure. Ah oui, tout le monde va changer d'heure, mais pas moi. À 3h du matin, est-ce qu'il sera 2h ou 3h? Parce que chaque année, on se pose la même question. C'est vrai. Alors, ça carbure pas trop là-haut. Hein. Est-ce qu'il sera une heure de plus ou une heure de moins? Mais tout, ça sera le même horaire puisque vous le décalez au départ comme à l'arrivée, nom de Dieu. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est pas possible, monsieur. Mais non, si vous couchez à 3h du matin et puis vous avancez l'horaire, vous couchez à 4h mais vous levez une heure plus tard. C'est pareil. Mais non, c'est pas pareil parce que... Mais si. Donc on dort ça... une heure de moins ou une heure de plus? Ah ça, je m'en fous totalement. Vous dormez ce que vous voulez comme moi. Je vais vous dire pourquoi, parce que moi, quand je vous lis, je roupille. Justement, je voudrais savoir si je vais dormir une heure de plus ou une heure de moins. Mais non, ça sera pareil. Mais non, ça sera pas pareil. On va... Si, ça sera pareil. Alors, on va forcément dormir une... Vous n'allez pas m'emmerder avec vos questions à la con, là. Hein. À quelle heure faut-il que je me couche pour ne pas être fatigué le lendemain? Vous ne vous couchez pas, et puis c'est tout. Vous n'êtes pas fatigué comme ça.